Salut à toi, bienvenue qui me regarde dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te présenter la plateforme Comment anciennement appelée 5 euros et je vais te montrer quelques astuces vraiment sous-cotées que la plupart ignorent pour pouvoir gagner de l'argent avec cette plateforme. Alors, si tu débutes dans le marketing d'affiliation ou si tu aimerais te constituer des sources de revenus passifs sur Internet, n'hésite pas à checker dans le premier lien qui se trouve dans la description de cette vidéo ou dans ma bio. C'est une mini formation pour t'apprendre à débuter sur Internet dans le marketing de l'affiliation. Avec l'affiliation, tu peux générer des revenus passifs comme cela très facilement. Tu n'as pas besoin de créer des produits ou prendre des heures pour t'occuper du support client et toute autre tracasserie que peuvent découler de la création jusqu'à la livraison d'un produit en ligne. Donc, je t'invite à checker le lien dans la bio et à t'inscrire pour pouvoir commencer ton voyage vers le Make Money Online. Ok, donc on va entrer dans le vif du sujet. Comop, anciennement appelé 5 euros, c'est une plateforme de freelance en ligne. Sur Comop, tu peux par exemple présenter tes services si tu es par exemple rédacteur, si tu as des connaissances en copywriting, si tu as des connaissances en montage de vidéos, édition de photos, Photoshop, illustration. Et tant d'autres, tu es développeur et ainsi de suite, tu peux venir sur la plateforme, t'inscrire, c'est gratuit. Une fois que ton compte est vérifié, tu peux proposer tes services comme cela et commencer à gagner de l'argent. Ok, donc le problème qui peut se poser souvent, c'est que la plupart des temps, lorsque les gens veulent se lancer sur Comop, en réalité, ils ne savent pas quoi faire. Souvent, ils veulent juste gagner de l'argent, ils ne savent pas ce qui fonctionne et comment est-ce qu'ils doivent procéder. Donc, d'où le fait où dans cette vidéo, je vais te montrer une astuce vraiment sous-côté qui va te permettre de gagner de l'argent sur 5 euros très facilement. Tu n'auras pas besoin d'être compétent en quelconque domaine. Suis juste cette vidéo jusqu'à la fin et je vais te dire comment. Ok. Donc, la première des choses, une fois que tu t'es inscrit sur le site et que ton compte est valide et que tu peux proposer des microservices, il suffirait simplement de regarder quel microservice performe sur la plateforme. Donc, la plateforme a eu à faire certaines petites modification. Avant, on pouvait directement voir qu'est-ce qui performait autre, mais je te montre juste ce simple raccourci qui est très facile. Sur la page d'accueil, tu trouveras par exemple parcourir nos catégories, dans les catégories qui sont ici. Une fois que tu auras cliqué dessus, tu verras par exemple les microservices ou les services qui performent en ligne. Donc, de préférence, dans le design, il y a beaucoup de demandes. Dans la rédaction sur le web, il y a beaucoup de demandes. Dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de demandes et tout ce qui est audiovisuel. Mais la question que tu me poseras certainement serait de comment est-ce que je vais proposer des services peut-être en design si je ne suis pas designer? Comment est-ce que je vais proposer des services en rédaction d'articles si je ne m'y connais pas en rédaction ou en écriture et autres? Comment proposer des services de community management et tout si je ne m'y connais pas? Ou d'édition d'audio et plein d'autres si je ne me connais pas. Ok, suis-moi attentivement. Ok, donc le simple service, mon astuce que je te recommande, que je partage uniquement sur cette chaîne YouTube et que je n'ai partagé nulle part ailleurs. Et je pense que je laisserai par exemple tout juste dans la description de la vidéo une autre vidéo que j'ai eu à tourner sur cette chaîne YouTube qui va te permettre de mieux comprendre maintenant la suite de cette vidéo, ce qui vient maintenant. Ok, donc une fois qu'on a identifié quels sont les microservices qui performent sur le marché, il suffirait maintenant simplement d'aller trouver où est-ce qu'on peut créer ces microservices et venir leur proposer sur comment gagner de l'argent. Avant, ce que certains marketeurs français faisaient, c'était d'aller par exemple sur des sites comme Fiverr. Donc ils allaient par exemple sur Fiverr par exemple, ok, j'ai eu à faire une petite erreur. Ils allaient par exemple sur Fiverr, c'est un site également de microservices, d'un site de freelancing, mais plus réputé sur le marché américain. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils venaient par exemple sur Fiverr, ils voyaient des services qu'ils pouvaient par exemple acheter et aller revendre sur Comop. Donc, avant cela marchait parce que les prix sur Fiverr étaient vraiment réduit, mais avec le temps, plus les Américains ont également compris qu'il fallait également proposer leur service plus cher. Donc, d'où le faire maintenant, l'option de dire trouver un service qui performe sur Comop, aller par exemple créer un microservice
Une fois qu'on a commande, par exemple, sur son microservice, aller donner, par exemple, à un rédacteur ou à une rédactrice ou à un designer ce commande et revenir livrer sur 5 euros. Bon, cette option-là est un peu débordée. Je vais vous montrer ce qui marche maintenant. Il vous suffirait, par exemple, de prendre ces trois sites que je vais vous présenter maintenant. Le premier, pour moi, s'appelle AppSumo. Dans ce AppSumo, on a, par exemple, des deals pour les entrepreneurs. J'ai dit tout à l'heure. Je laisserai le lien pour que vous puissiez en savoir plus sur les trois sites que je vais vous présenter maintenant. Donc, sur AppSumo, par exemple, tu peux venir là sur AppSumo et venir directement dans New Arrival pour savoir quels sont les nouveaux produits qui sont listés sur le marché. Par exemple, en voici un service, par exemple, qui permet de faire la recherche des mots-clés. Et le paiement, par exemple, ici, c'est 39 $ à vie. Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux venir sur AppSumo, tu achètes le service par exemple à 39 $ à vie et tu reviens simplement sur comment par exemple proposer des services de recherche de mots-clés. Par exemple, parce qu'en termes de recherche de mots-clés, si par exemple tu visites SEMrush ou tout autre service, bon j'ai oublié quelques noms, tu t'en rendras compte que les abonnements là-bas sont vraiment exorbitants. On a les 300. 39 $ par mois, les 256, les 199 pour faire les recherches de mots-clés et cela se fait, le paiement est récurrent chaque mois. Donc, ce que tu peux faire par exemple, c'est tu peux venir sur 5 sur Commop, tu passes simplement dans microservice, donc au niveau du tableau de bord, tu iras tout simplement au niveau de service, donc tu crées un service dans sur comment tu crées ton service de propose tu proposes donc la recherche des mots-clés pour quelqu'un qui n'aimerait pas par exemple payer un abonnement de 99 $ ou pour faire sa recherche de mots-clés, il viendra simplement pour 5 euros acheter ce service chez toi. Ce que tu auras à faire simplement, c'est que tu as pris par exemple ce service, donc une fois qu'il a acheté le microservice, tu fais avec ton compte sur par exemple Rack. C'est Rack Atom, Rank Atom. Donc, tu peux aller dans ton compte Rank Atom, tu fais la recherche des mots-clés en fonction de son business et ensuite tu viens sur ce Commop, tu lui livres cela comme sur un fichier, ça peut être doc ou CVS. Donc, ça sera à lui maintenant de savoir par exemple quel mot-clé, quel mot n'est pas le plus, quel mot-clé sur lequel il peut par exemple créer ses contenus. Articles de blog, vidéo YouTube pour pouvoir ranker très facilement, par exemple, comme cela, développer son business. L'autre site également que je te recommande, par exemple, c'est Product Hunt. Dans ce Product Hunt, les nouveaux logiciels et tout sont listés sur le site. Il te suffirait de venir, par exemple, prendre uniquement 30 minutes par jour pour savoir quel est le nouveau produit qui est lancé sur le marché. Et une fois que tu as identifié un produit qui peut te permettre de créer un microservice sur Commop, tu t'inscris simplement au microservice, tu t'inscris simplement à la plateforme, donc au logiciel, et tu passes sur Commop, tu présentes ton service, et une fois que tu as les commandes, tu utilises l'outil pour le réaliser. L'autre, c'est Munchaya, donc c'est un site qui va te permettre de savoir. Par exemple, quels sont les nouveaux produits qui sont lancés sur les plateformes comme Wario Plus, JVZO et Clickbank, dont les trois leaders sur le marché américain de tout ce qui est infoproduit. Donc, chaque jour, par exemple, aujourd'hui, tu verras qu'ici, le 10 octobre, voici les produits qui sont listés sur le marché. Par exemple, ici, celui-ci va être lancé sur JVZO, celui-ci va être lancé sur Wario Plus. Donc, ce que tu pourras faire simplement, c'est identifier un logiciel et acheter le logiciel et venir proposer ton service comme on peut commencer à gagner de l'argent. Donc, pour bonus de cette vidéo et comme conclusion, je vais te donner quelques services que j'ai identifié, par exemple cette plateforme qui peut te permettre de gagner de l'argent directement dans les 24 heures qui suivent ce comment facilement. Par exemple, le premier qui est identifié, c'est cet outil de recherche de mots-clés. L'outil, c'est instantkeyword.com. Donc, l'outil, je pense, coûte 97 $, si je me trompe. Oh. Bon, là, il y a une petite modification. Je ne sais pas le pourquoi. Bon, peut-être je n'ai pas pris le bon lien. Donc, l'outil coûte 97 $ paiement une seule fois. Donc, ce que tu pourras faire, c'est que tu peux utiliser, par exemple, cet outil pour
recherche des mots-clés pour tes articles de blog et proposer également cela comme microservice, comme up, et commencer à gagner de l'argent. Donc, l'avantage, c'est que tu as payé seulement une seule fois et utilisé l'outil à vie. L'autre outil que j'ai également récupéré sur ça, c'est sur Wario Plus, qui peut te permettre de gagner de l'argent du jour au lendemain très facilement. C'est AI, autant pour moi. Donc, l'outil va te permettre de créer des vidéos de publicité. Donc, tu n'as pas besoin d'être graphiste ou designer pour pouvoir créer vraiment des contenus qui performent. Je vais un peu, par exemple, scroller la page, ou je laisserai même le lien dans la description, donc pour que tu puisses regarder et voir. Si l'outil te plaît, tu peux, par exemple, acheter cela et aller directement sur comment proposer tes services de montage de vidéos publicitaires et tant d'autres. Donc, en fonction des options que te propose l'outil, et tu commenceras, par exemple, à gagner de l'argent. Donc, avec l'outil, tu peux créer, par exemple, des scripts vidéo, tu peux utiliser des scènes animées, donc pour faire ce contenu, ce type de contenu est vraiment très recherché sur le marché, et également ça donne beaucoup d'attention sur la création de contenu, donc ce qui fait que ce type de vidéo est le plus demandé sur le marché aujourd'hui. C'est pour ce fait j'ai préféré donner cela dans cette vidéo comme bonus. Donc si tu regardes bien sur l'outil, cela va énormément te plaire. Par exemple, avec l'outil, tu peux créer des VSL dans la vidéo de vente, ou fiches produits et autres, créer des vidéos pour ta chaîne YouTube, créer des reels, donc pour des vidéos de publicité, ou des shorts, par exemple, pour TikTok, Instagram, Facebook a aussi des reels et tout d'autres. Donc, tu peux utiliser l'outil pour toi-même, tu verras une vidéo de démonstration. Je ne veux pas cliquer pour que la vidéo ne soit pas longue ou tout autre son qui pourra nuire. C'est vrai qu'il y a déjà un peu de bruit parce qu'il pleut là. Bon, m'excuser. Ok. Donc, l'outil en lui-même coûte combien? Donc, si nous regardons par exemple au niveau du prix, je vais scroller jusqu'à la fin. Ok. Donc, l'outil en lui-même coûte 37$. Donc, c'est listé sur la plateforme JVZoo. Et ce que tu pourras faire, par exemple, c'est créer des scripts pour des vidéos. Donc, tu peux proposer les services de création des scripts vidéo Inoptique. Tu peux utiliser dans la librairie, bon, les stocks, des images et tout, et tout, et tout. Donc, tu as jusqu'à 10 000 IA Voice Work Credit que tu peux utiliser par mois. Tu peux exporter jusqu'à 5 000 vidéos en full HD. Donc, chaque mois, tu peux stocker sur le cloud jusqu'à 6 Go et tant d'autres. Voilà un peu ça. L'autre outil, par exemple, que j'ai identifié qui était vraiment très fun, c'est la création des avatars. Donc, j'ai un peu essayé sur la plateforme de rechercher création d'avatar au niveau de la barre de recherche. Donc, création d'avatar. Ok, création d'avatar. Mais je me suis rendu compte que il n'y avait pas vraiment suffisamment de produits listés. Et par exemple, avec ce site, ce que tu auras à faire, c'est bon, ça c'est 1,99 $, donc peut-être 2 € trop. Donc, ce que tu peux faire par exemple avec cet outil, c'est de venir sur Comop, regarder au niveau de création des avatars, au niveau des vidéos. Donc, tu peux t'en rendre compte qu'il n'y a pas suffisamment de produits listés à ce sujet. Donc, tu peux proposer création d'avatar et dans ton microservice, tu préciseras que la personne qui commande, il devra te fournir une vidéo, une image de lui ou d'elle, et que avec son image, tu vas lui fournir par exemple 5 images en avatar. Donc, avec seulement 2 euros, donc tu prends 5 euros, peut-être la plateforme va prendre 1 euro, bon, passer 20%, ça va faire 1 euro. Toi, tu as 2 euros et l'outil va également prendre 2 euros. Donc, pour chaque service, tu pourras gagner 2 euros comme cela très facilement, ainsi de suite. Ou ce que tu pourrais faire, par exemple, c'est de lister pour 10, par exemple, pour 50 images d'avatar, cela fait 5 euros. Pour 100 images, cela fait 10 euros. Ce qui fera que tes images de profil pourront être élevées. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir regardé, suivi jusqu'ici. C'était Michael Mika du blog offfinance.com. Donnons-nous rendez-vous dans les prochaines vidéos. Si tu as aimé, like, partage et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Ciao.